Fais des tirs, Merwan, allez. Avec Mehdi, allez. Bassa Jamal est le président de l'association sportive des Jardins de l'Empereur. Mehdi, Nordine et Sofiane font partie du groupe d'enfants invités à Saint-Étienne par Rémi Cabella, joueur professionnel et qui a grandi ici même, à quelques mètres du stade. Très tôt, tous avaient remarqué ses qualités. On est parti avec le GFCA en U9 faire le tournoi de plan de Cuc. Et il y avait déjà sa photo là-bas déjà. Pour vous dire qu'il avait fait un passage avec le GFCA à son époque, lui, et il a montré déjà ses qualités déjà sur le continent. Alors, l'invitation du joueur à Saint-Étienne pour une dizaine d'enfants de l'association qui vont le rencontrer est vécue par eux comme un grand moment. C'est un exemple. Il a grandi de rien et au final, maintenant, c'est un très bon joueur. Qu'est-ce que tu attends de ce voyage ? De découvrir de nouvelles choses. Voir déjà la ville commencer, comparé à Ajaccio. Le foot pour toi, qu'est-ce que ça représente ? Ben, c'est tout, enfin. C'est tous les jours on vient jouer au foot. Est-ce qu'on peut dire c'est une passion pour toi ? Oui, c'est le plus beau sport pour moi. Et ça réunit le plus de monde. Pour certains enfants qui ne sortent pas du quartier, ils ne sont jamais partis en voyage, ils vont le garder toute leur vie. Ça aurait été magnifique. Et voici Rémi Cabella avec son équipe à Saint-Étienne. Aux côtés d'un autre joueur corse, le basquier Wahbi Kazri, le jeune international ajaccien âgé aujourd'hui de 29 ans a un beau palmarès à son actif. Une fierté, bien sûr, pour ses parents, pour son père, qui sur place, dans leur ancien quartier, a fait le lien avec l'association pour l'organisation du voyage. On a discuté avec Rémi, on a eu l'idée de dire, bon ben voilà... On offre un voyage à 10 jeunes du quartier avec 6 accompagnants. J'ai été éducateur pendant 25 ans de football, donc j'ai vu pas mal de gamins. Et c'est vrai qu'on peut commencer à leur donner des bases d'éducation sur la politesse, sur le comportement, les uns, les autres, soi-même. Bah, le foot, c'est pas mal comme éducation. Le jour du départ est enfin là. C'est parti pour 3 jours de voyage, 2 matchs et 2 visites entre Saint-Étienne et Lyon. C'est parti pour la découverte d'un nouveau monde.